On continue Cédric Davigny avec des conventions annuelles d'objectifs. Merci Monsieur le Maire. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant le montant global de cette subvention, puis j'ai dû me rendre à l'évidence, sur l'ensemble de cette délibération, seuls 9 000 euros concernaient le 18e arrondissement, puisque c'est une délibération globale. Néanmoins, j'attire votre attention parce qu'elle est très intéressante d'un point de vue, c'est-à-dire que la ville a pris en considération les difficultés, entre autres administratifs, que pouvait subir le tissu associatif. Et la CPO, de ce point de vue-là, doit devenir la norme, c'est-à-dire la convention pluriannuelle d'objectifs. Si on est en accord avec l'objet d'une association, on se doit, bien entendu, de pouvoir la subventionner et la subventionner sur plusieurs années. Et puis, autre chose qui est assez intéressante, c'est cette capacité qu'ont aujourd'hui les directions de la ville à pouvoir signer une convention unique. C'est le cas, en l'occurrence, pour Oasis 18, puisque, en gros, vous êtes sur une convention de 9 000 euros, 4 000 au titre de la direction de la jeunesse, 3 000 au niveau de la politique de la ville, et puis 2 000 aide sociale à l'enfance, donc, qui dépend de la direction de la DASES. Merci beaucoup, Cédric. Pas de difficulté, j'imagine. Unanimité.